prévu, ça. Hein? Vous avez pas prévu? Wouah! Fais gaffe, hein. Oh, y a toutes ces barres sur le toit. C'est pas une bonne idée de faire ça. On a découvert. Quoi, dehors, ça veut dire ça. Moi, je fais un peu de rangement. Je fais un peu de rangement, je mets tout dans les soutes. Et je mets un beau coup de propre. Parce que là, ça commence un peu à nous gêner. Et Jérém, là, il finit la dernière fenêtre. La dernière fenêtre, et du coup ça va être prêt à peindre demain, je pense. Voilà, salut à tous. Il fait beau, ça fait du bien. Regardez, j'ai viré les bâches, enfin elles sont en haut, comme ça si jamais il faut dégainer, je peux dégainer, mais normalement elles annoncent pas de pluie. Donc on est tranquille. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que je vais faire? Sachant qu'aujourd'hui, on a l'Odyssée qui vient avec sa petite famille, Laurent et sa famille. Donc du coup, ils arrivent en fin de journée. Donc il faut que j'essaye de faire ce que j'ai à faire en fin de journée pour pouvoir les accueillir tout à l'heure tranquillement. Il me reste à dégraisser mes montants de porte. Vous voyez, il faut que je dégraisse tout ça. Parce que là, ça a commencé déjà à rerouiller, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Ce sera pas pire que ce que c'était avant. Donc il faut que je commence à dégraisser tout ça. Et pareil de ce côté-là. Donc je sais pas si je fais un côté ou les deux. Là j'ai tout ouvert vraiment pour le laisser respirer, pour que ce soit bien. J'attaque ça. Je finis de brosser. Ensuite je dégraisse. Et comme ça, demain, normalement, je pourrai commencer à peindre au pistolet tous les entourages en peinture anti-rouille. Voilà, ça sera déjà une bonne chose de faite. Donc je me mets au boulot, je vous dis à tout à l'heure. Thank you.
Alors les amis, voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a enlevé les petites baguettes ici. Vraiment pour tout remettre à nu, parce qu'il y avait de la rouille, on a venu tout poncer. Là, je vais aller faire découper des plaques en alu, je vais les coller de suite. Et puis voilà, tout est prêt. Ce côté-là est prêt à être peint. Bon, bien sûr, il faut dépoussiérer, dégraisser. Et ensuite, on pourra tout peindre à la peinture anti-rouille. À l'après anti-rouille. C'est pas de la peinture, c'est de l'après. Bon, et bien voilà, c'est nettoyé. On a tout nettoyé avec Charlotte, on a dégraissé et nettoyé et dégraissé. Et là, on va mettre du, je vais mettre de l'anti-rouille en fait sur les parties qui étaient un peu rouillées. Vous voyez comme ça là. Voilà. Vous voyez ces petits endroits là. J'en ai un peu partout. Et là, je vais mettre un anti-rouille pour dire protéger. Je vais mettre deux petites couches, enfin sur de 24 heures d'intervalle, je vais mettre deux couches en fait. Vous voyez. Et bah apparemment ça marche bien au Wattroll, on verra, c'est, on peut mettre direct sur la rouille, c'est vraiment un stopper de rouille et ensuite on viendra mettre l'après anti-rouille, mais au moins je serai sûr que ce qui était rouillé ça va être stoppé et ça pourra pas revenir en fait. Voilà. On a la caravane qui arrive, je vais essayer de vous faire un petit plan drone, il va falloir qu'on soit bien synchro. Allez, je finis de mettre l'anti-rouille et puis on va attendre Eric et sa femme qui nous ramène la troisième caravane, je suis trop content. Apparemment ils ont fait bonne route, bon bah tant mieux. Et voilà, donc je vous montre vite fait ce que je suis en train de faire. Hop, j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Du coup je suis en train de me poser des questions. Là j'en ai déjà mis. Vous voyez, j'en mets vraiment partout. Ensuite, ça devient tout noir. Je pense que c'est fait exprès. Et ça rentre dans le... Ça rentre dans l'acier. Et il y aura un produit, sûrement de l'acide. Je sais que l'acide, ça stoppe la rouille. C'est un produit à base d'acide. Et voilà, ça stoppe la rouille. Au moins, on sait qu'on est tranquille de ce côté-là. Il ne restera plus que l'après à mettre. Et du coup, je me pose une question. Je me dis, tiens... Parce qu'il y a souvent des rafales de vent, en fait, ici. Et je me dis... Est-ce qu'il faut pas que je peigne au pinceau? Parce qu'au pistolet, je risquerais d'en mettre partout en fait. Alors je suis en train de réfléchir à ça. Moi, ça me dérange pas de le faire au pinceau. Puis au pinceau, ce qui est bien, c'est que on a le temps, on n'est pas pressé. Quand on peint en pistolet, on entend le compresseur qui fait du bruit. Il faut plus ou moins se presser parce qu'il faut pas que la buse sèche parce que sinon ça s'encrasse. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est pas évident. Si je peux faire ça au pinceau, moi ça m'arrange. Ouais. Je vais voir, je vais réfléchir à ça. Youhou !
Bon, et bien voilà, la caravane est arrivée. Avec nos pilotes, il est toujours en train de parler, lui, de toute façon. Il fait que ça. Il papote, il papote, il papote. Mais c'est normal. Bon, en tout cas, merci bien de nous l'avoir amené. Hein. C'est cool. C'est tout à fait normal. Ouais. Ça nous fait plaisir. Bon, bah tant mieux. Si ça vous a pas ennuyé, c'est le principal. Pas du tout, pas du non tout. Non, ouais, ça va. Moi, j'aime bien. Il y avait 10 km. Bah, un petit peu. On a quand même quelques petits déboires. Ouais, ouais. On n'a pas filmé notre petit sketch d'hier au soir. Tu sais qu'on a dû démonter. J'ai dû décrocher la remorque. On a dû décrocher en pleine nuit. Parce que je suis arrivé dans un chemin. Même avec le camping-car, c'était limite. Oh là là. En fait, tu sais, GPS, c'est toujours bien expliqué. Hein. Mais c'est un GPS belge ou c'est un GPS français? Tu retournes sur ton chemin. C'est un GPS belge. C'est un français. Ah bah c'est pour ça. Il n'est pas adapté pour le belge. Il parle pas belge, voilà, c'est ça. Donc voilà, la petite caravane. On espère qu'on va pouvoir essayer de la retaper parce que... Il y a pas mal de. Il y a quand même pas mal de petits défauts. Donc on est en train de tout vider pour garder ça pour les gens qui nous ont donné. Et bah on espère que ça va aller. Parce qu'il y a pas mal de petites infiltrations et tout qu'il y a eu là. Le plancher il est un peu mou. Vous voyez, il y a les planches un peu qui à droite à gauche. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. On va voir. Là-bas, il y a dû avoir une infiltration aussi. On va voir si les enfants veulent bien dormir dedans et si ça va pouvoir le faire si elle prend pas l'eau parce que du coup elle était au sec mais on sait pas si elle tient l'eau en fait, voilà c'est ça le truc, on va falloir que je fasse un tour là-haut. Donc mais bon, c'est pas trop inquiétant, non c'est pas trop inquiétant, ça va vraiment être des caravanes pour dormir en fait. Hein. Donc on pense que ça va le faire. Voilà, allez, on débarrasse tout, on vous laisse. Bah en fait ouais on est venu. C'est encore en train de filmer. Bon voilà les amis, regardez. On a enlevé un truc, plus un truc, plus un truc, et on s'est dit tiens ça va pas, ça sentait pas bon. On a enlevé le meuble cuisine qui était complètement pourri. Bon, jusqu'à là, ça c'est pas bien grave, mais le pire c'est là-bas quoi. C'est vraiment. Je me dis, moi j'ai pas le temps de refaire ça quoi. Bon s'il faut on va le prendre. C'est moisi de chez moisi. C'est cracra hein. Ça t'inspire quoi? Tu veux la. On la prend, on l'amène à la déchetterie. Hein? Ben on va faire comment? Ce côté-là, ça va en fait. Ben on n'a pas démonté. Ouais, on n'a pas démonté. Bon, salut à tous les bandits. Alors on est venu là avec Eric ce matin chercher du bois. On a pris de l'OSB et puis on a récupéré ça tant qu'à faire parce que l'OSB il tenait pas. Du coup, on a dit tiens, on va prendre une genre de palette. Et c'est Eric qui va réparer la caravane, vous avez vu dans l'état qu'elle est, en fait elle est complètement par endroit et complètement pourrie, il n'y a pas d'autre mot. Limite on peut passer à travers. Et on a hésité, on a dit on fait quoi, on la retape ou pas, parce que là honnêtement il y a un petit peu de boulot. Et moi j'ai pas du tout le temps en ce moment. Donc Eric il s'est proposé de le faire. Merci à toi, en tout cas c'est cool. Hein. De rien, donc, il va retaper le plancher, il va refaire les côtés, tout ça à l'intérieur pour qu'on puisse l'aménager la semaine prochaine pour les enfants. Parce que le bus il risquerait de partir assez vite quoi. Donc on fait tout ça et on vous dit à tout à l'heure. Allez, ciao. Oh, quelle journée. Ça fait une demi-heure que je cherche mon pinceau que j'avais égaré. Bon, alors, moi je suis en train de finir ma deuxième couche de peinture ici. Vous voyez, ça fait un petit aspect un peu collant. Donc je remets une deuxième couche, c'est bien sec. Ils disent d'attendre 24 heures entre chaque couche. J'ai pris un plus gros pinceau pour aller plus vite. Voilà, je vais vous faire voir Eric qui est en train de réparer la caravane. Alors ça se répare? Waouh, ça brûle. Surtout ça brûle. Mais oui, mais... Faut que j'enlève jusqu'à là au-dessus. C'est quoi? Est-ce que c'est un petit peu pourri? C'est quoi? C'est plus du bois en fait. C'est vraiment une isolation de merde ça. Hein. On dirait que c'est plus du bois. C'est pas ce que ça fait, ça débranche. Regarde, la cigarette. Hein. Limite.
c'est de bestioles. Poussière, tu retourneras en poussière. C'est exactement ça. Ça te dit, hein. Oh, là, bah, je te laisse, bon courage. Hein, merci à toi, hein, à la prochaine. Hein. Quand tu veux, hein. Allez, c'est parti. Bon, et bien voilà, la journée se termine quasiment là. Moi, j'ai bien avancé sur le bus. Demain, je vais pouvoir peindre. Je vais pouvoir peindre les montants. Eric est en train de. Il doit être à la moitié du chantier à peu près. Hein, t'as la moitié du chantier là, Eric. Oui, mais non, on recolle donc. Il est en train de recoller les nouveaux. On les renforts. Les nouveaux renforts à droite à gauche. En tout cas, la construction de cette caravane, c'était vraiment de la petite caravane. Hein. C'est pas une marque que je conseille. Hein. Ouais. Franchement, c'est vraiment. Il n'y a même pas de montant en alu ou quoi, vous voyez, sur les fenêtres comme sur les autres caravanes. C'est tout du plastique. C'est la fenêtre qui vient tenir l'ensemble. Oui, c'est le. C'est un truc de dingue. Donc là, il est en train de tout renforcer, tout remettre sa propre, et enlever le pourri là-bas. Et on va repartir de zéro, au moins on sera bien. Quoi. Donc bah, moi, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Il va faire beau normalement, donc profitez-en. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et surtout, on se retrouve dimanche pour le direct du dimanche soir. Là, on a une semaine assez chargée qui nous attend. Un week-end, je pense. Un week-end chargé qui nous attend. On vous fait des gros bisous. À bientôt. Allez, on vous embrasse fort. Bye bye. Ciao les bandits. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces. Et à la semaine prochaine. Allez, bisous à tous. Bisous, bye bye les bandits, on vous aime. Ciao.